table. Et les gens ont le Covid. Sans faire attention à ça. Et à l'inauguration, on amène le bateau. Et puis bien sûr, il tourne. Vous voyez, donc il faut, comme on dit, bien s'inspirer comme le Vésir. Au Japon, le système d'éducation au Japon est fortement marqué. Oui. Passez à Paris, voyez là, et ils sont toujours en train de photographier. Exactement. Le pays de l'ex. C'est un plaisir pour voilà. Moi aussi. Merci beaucoup. Là. Le bienvenu chez merci vous, bien sûr. Merci beaucoup. Okay, special handshake. Excuse me. Here we go. If you want to come in and take a picture, please. Thank you. Come here. All right, that's good, right here. Great. Great, thank you. Okay. Thank you. C'est ça d'être un One more with Mrs. Voilà. Avec nous. Oui, okay, bon. Bon. Après, un grand plaisir. Par ce côté. Vous allez de ce côté, voilà. Merci beaucoup. Madame le ministre, par là aussi. Bonjour, monsieur. Voilà. Une fois que Monsieur le Premier ministre et Madame le ministre est assis, Monsieur l'administrateur, vous vous placez partout où vous voulez. Merci beaucoup. Monsieur le ministre, Madame le ministre, vous êtes les bienvenus. Je vous dis tout le plaisir que j'ai de vous recevoir, de vous avoir avec nous ici. L'économie et des finances, nous venons de passer un long entretien ensemble qui nous a permis d'évaluer la situation économique de la Côte d'Ivoire, d'en apprécier le taux de croissance, qui est tout près de 10% sur l'année 2012 et dont on estime ensemble qu'il sera au moins à 9% l'année prochaine. On a pu également faire le point sur le programme que nous avons mis en place ensemble, qui nous a permis de constater les progrès accomplis, les améliorations apportées, les changements qui sont en train de transformer l'économie ivoirienne pour le bien des Ivoiriens. Quel est votre regard ensemble sur les perspectives économiques ivoiriennes? Moi, je suis très positive sur les perspectives de développement et je suis impressionnée par la détermination du président Ouattara, du Premier ministre et de son gouvernement, au premier rang duquel Madame la ministre de l'Économie et des Finances, pour tenir les rênes et faire avancer et se développer l'économie ivoirienne après les périodes très difficiles qui ont été vécues. Je vous remercie. Comment vous répartez-vous? Bon, je crois qu'on peut voir ça en bas parce qu'il faut qu'on libère Madame la ministre. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Hello.
Hein? Ah, d'accord, ok, d'accord. Okay. By the experts of the IMF and the World Bank. And also, I think it's a big equation to meet our counterparts in all over the part of the world so that we can exchange on experience and also draw lessons from what is done elsewhere. So it's a very short period, but a very busy one and a very well efficient one. And what are you looking forward for the annual meeting, upcoming annual meetings? Well, I think that, you know, that so many questions. As far as our world is concerned, the question of financial crisis, the question of how to develop some continents like Africa. And I think that will be one of the big questions. Because if you take the question of Africa, in which we are part, I do think that Africa have done a lot of way to development. Unfortunately, there are some problems. Question of governance, the question of financing. But as a summary, what I would like to say is that Africa is on a good path. You know that we have the highest rate of increase in GDP between 5% and 6% as a general. But some countries have a double-digit growth. But that's the case of Côte d'Ivoire, we have achieved 9.8% increase in GDP. But we should also work to alleviate poverty in our region and also to do some reforms so that the private sector will have a prominent role to increase the creation of wealth. So I think in this period, we can exchange experience on that. Dernière petite question. Oui, j'en prie. Thank you. Sur la réunion qui vient d'avoir lieu avec Madame Lagarde, qu'est-ce que vous pouvez dire? Quelles sont vos premières impressions? Mais écoutez, Madame Lagarde, disons que est une femme d'expérience, une femme de qualité, qui dirige l'institution avec une maestria particulièrement forte. Elle a fait l'amitié à la Côte d'Ivoire de venir visiter donc ce pays. Je crois que c'était en janvier dernier. Elle a laissé une très forte impression donc, au niveau du pays. Elle est allée à l'Assemblée nationale. Elle a parlé donc, à la population et aux élus donc, de la Côte d'Ivoire. Et elle a donné des conseils. Et ces conseils, nous les avons mis en œuvre. En 2012, nous avons une croissance de 9,8%. Cette année, nous attendons une croissance de 9%. Et nous voulons faire en sorte que la Côte d'Ivoire, comme le président de la République l'a souhaité, soit un pays émergent en 2020. Et le Fonds monétaire international participe donc disons que à cette amélioration par les conseils que cette institution nous donne, par disons que l'appui disons que budgétaire que l'institution nous donne, avec donc sa sœur qui est donc le groupe de la Banque mondiale. Donc ce sont des moments enrichissants et je pense que son équipe a indiqué que la Côte d'Ivoire à respecter donc les critères, disons que quantitatifs, donc en été prescrits par l'institution. Merci beaucoup. Moi, je dois dire que effectivement, nous repartons donc de Washington très confiants, en ce sens que, comme je le disais tantôt, nous avons d'abord pu rencontrer les institutions, le groupe de la Banque mondiale, qui prévoit d'investir 2 milliards de dollars sur la Côte d'Ivoire d'ici 2015. Et disons dont 700 millions de dollars au niveau donc de la SFI, 700 millions au niveau donc de MIGA et 600 millions au niveau de l'IDA. C'est quand même important. C'est une preuve donc de confiance au niveau donc de ce pays. Je dois dire avec le Fonds monétaire international, comme je l'ai noté tantôt, que là aussi les relations sont bonnes et que nous devrons donc avoir la puissance des institutions pour aller vers plus de réformes. La Côte d'Ivoire veut reprendre sa place qui était celle là avant la crise. Et faire en sorte que nous soyons, pour l'Afrique de l'Ouest, à nouveau une vitrine au cours du plan politique, économique, social et culturel. La Côte d'Ivoire revient de loin. Quel est le secret? En l'espace d'un an, elle a retrouvé son image. Le secret, c'est le travail. Pas plus compliqué que ça. Travailler, je l'ai dit lorsque nous avons rencontré nos amis lors de la conférence d'Abidjan. C'est le travail qui paie, mais aussi donc la volonté du président de la République de faire les réformes. Parce que les réformes sont difficiles au départ, ça coûte de l'énergie, ça coûte, disons que
en souffrance parfois, mais c'est ce qui permet donc d'avoir des croissances fortes. Je donne un exemple. Les hommes d'affaires ne viendront jamais chez nous si d'aventure vous n'améliorez pas le climat des affaires, que vous ne changez pas, disons, que les règles en matière donc de justice, que vous n'améliorez pas, disons, que la rapidité d'instruction donc des dossiers. C'est tout ça que le pays fait et qui fait que les investissements non privés donc affluent en Côte d'Ivoire actuellement. Puis en 48 heures, le dossier est bouclé. Merci beaucoup. Merci bien. Voilà.
Parce qu'il faut préparer des ensembles. C'est pas les preuves qui manquaient, les soirs. C'est un plaisir pour voilà. moi aussi. Merci beaucoup. Là. Vous êtes merci le bienvenu chez merci vous, beaucoup. Bien sûr. Merci beaucoup. Ok, special handshake. Excuse me. Here we go. Right. If you want to come in and take a picture, please. Thank you. Here we go. Come here. All right, that's good. Right here. Great, thank you. Well, thank c'est you. Ça d'être un minister. Hein. One more with Miss. Voilà. Avec nous. Oui, okay, bon. Bon. Voilà. Voilà. Ça, ouais. Un grand plaisir. Yeah. Right here. Right here. Vous allez de ce côté, voilà. Merci beaucoup. Madame le ministre, par là aussi. Bonjour, monsieur. Voilà. Une fois que monsieur le Premier ministre et madame le ministre est assis, monsieur l'administrateur, vous vous placez partout où vous voulez. Vous êtes chez vous. Merci beaucoup. Monsieur le ministre, madame le ministre, vous êtes les bienvenus. Je vous dis tout le plaisir que j'ai de vous recevoir, de vous avoir avec nous ici. L'économie et des finances, nous venons de passer un long entretien ensemble qui nous a permis d'évaluer la situation économique de la Côte d'Ivoire, d'en apprécier le taux de croissance, qui est tout près de 10% sur l'année 2012 et dont on estime ensemble qu'il sera au moins à 9% l'année prochaine. On a pu également faire le point sur le programme que nous avons mis en place ensemble, qui nous a permis de constater les progrès accomplis, les améliorations apportées, les changements qui sont en train de transformer l'économie ivoirienne pour le bien des Ivoiriens. Quel est votre regard d'ensemble sur les perspectives économiques ivoiriennes? Moi, je suis très positive sur les perspectives de développement et je suis impressionnée par la détermination du président Ouattara, du Premier ministre et de son gouvernement, au premier rang duquel Madame la ministre de l'Économie et des Finances, pour tenir les rênes et faire avancer et se développer l'économie ivoirienne après les périodes très difficiles qui ont été vécues. Comment vous répartez-vous? Bon, je crois qu'on peut voir ça en bas parce qu'il faut qu'on libère Madame la ministre. By the experts of the IMF and the World Bank, and also I think it's a big occasion to meet our counterparts in all over the part of the world, so that we can exchange on experience and also draw lessons from what is done elsewhere. So it's a very short period, but a very busy one and a very well efficient one. And what are you looking forward for the annual meeting, upcoming annual meetings? Well, I think that you know that there are so many questions as far as our world is concerned. The question of financial crisis, the question of how to develop some continents like Africa. And I think that will be one of the big questions. Because if you take the question of Africa, in which we are part, I do think that Africa have done a lot of way to development. Unfortunately, there are some problems. Question of governance, the question of financing, but as a summary, what I would like to say is that Africa is on a good path. You know that we have the highest
rate of increase in GDP between 5% and 6% as a general. But some countries have a double-digit growth. But that's the case of Côte d'Ivoire, we have achieved 9.8% increase in GDP. But we should also work to alleviate poverty in our region, and also to do some reforms so that the private sector will have a prominent role to increase the creation of wealth. So I think in this period, we can exchange experience on that. Dernière petite question. Oui, j'en prie. Thank you. Sur la réunion qui vient d'avoir lieu avec Madame Lagarde, qu'est-ce que vous pouvez dire? Quelles sont vos premières impressions? Mais écoutez, Madame Lagarde, disons que est une femme d'expérience, une femme de qualité, qui dirige l'institution avec une maestria particulièrement forte. Elle a fait l'amitié à la Côte d'Ivoire de venir visiter donc ce pays. Je crois que c'est en janvier dernier. Elle a laissé une très forte impression donc au niveau du pays. Elle est allée à l'Assemblée nationale. Elle a parlé donc à la population et aux élus donc de la Côte d'Ivoire. Et elle a donné des conseils. Et ces conseils, nous les avons mis en œuvre. En 2012, nous avons une croissance de 9,8%. Cette année, nous attendons une croissance de 9%. Et nous voulons faire en sorte que la Côte d'Ivoire, comme le président de la République l'a souhaité, soit un pays émergent en 2020. Et le Fonds monétaire international participe donc, disons que, à cette amélioration par les conseils que cette institution nous donne, par, disons que, l'appui, hein, disons que, budgétaire que l'institution nous donne, avec donc sa sœur qui est donc le groupe de la Banque mondiale. Donc ce sont des moments enrichissants et je pense que son équipe a indiqué que la Côte d'Ivoire a respecté donc les critères, disons que quantitatifs, donc qui ont été prescrits par l'institution. Merci beaucoup. Moi, je dois dire que effectivement, nous repartons donc de Washington très confiants, en ce sens que, comme je le disais tantôt, nous avons d'abord pu rencontrer les institutions, le groupe de la Banque mondiale, qui prévoit d'investir 2 milliards de dollars sur la Côte d'Ivoire d'ici 2015. Et disons donc 700 millions de dollars au niveau donc de la SFI, 700 millions au niveau donc de MIGA et 600 millions au niveau de l'IDA. C'est quand même important, c'est une preuve donc de confiance au niveau donc de ce pays. Je dois dire avec le Fonds monétaire international, comme je l'ai noté tantôt, que là aussi les relations sont bonnes et que nous devrons donc avoir la puissance des institutions pour aller vers plus de réformes. La Côte d'Ivoire veut reprendre sa place qui était celle avant la crise, et faire en sorte que nous soyons, pour l'Afrique de l'Ouest, à nouveau une vitrine au cours du plan politique, économique, social et culturel. La Côte d'Ivoire revient de loin. Quel est le secret? En l'espace d'un an, elle a retrouvé son image. Le secret, c'est le travail. Pas plus compliqué que ça. Travailler, 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 je l'ai dit lorsque nous avons rencontré nos amis lors de la conférence d'Abidjan, c'est le travail qui paie, mais aussi donc la volonté du président de la République de faire les réformes. Parce que les réformes sont difficiles au départ, ça coûte de l'énergie, ça coûte, disons que, en souffrance parfois, mais c'est ce qui permet donc d'avoir des croissances fortes. Je donne un exemple, les hommes d'affaires ne viendront jamais chez nous si d'aventure vous n'améliorez pas le climat des affaires, que vous ne changez pas, disons que, les règles en matière donc de justice, que vous n'améliorez pas, disons que, la rapidité d'instruction donc des dossiers. C'est tout ça que le pays fait et qui fait que les investissements non privés, donc, afflue en Côte d'Ivoire actuellement. Puisqu'en 48 heures, le dossier est bouclé. Merci beaucoup. Merci bien. Thank you.